être à nouveau avec vous dans le cadre de ce merveilleux programme Semaine de jeûne et de prière 7 sur 7. Nous avons donc 7 jours, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que vous et moi, nous puissions nous retrouver sur notre rampe de lancement. Et cette rampe de lancement nous permettra tout simplement d'aller au-delà de l'année 2025. Qu'il me soit permis de vous rappeler que c'est du 7 au 14 décembre et tous les soirs de 20h30 à 22h30, nous allons devoir prier. Vous allez avoir un lien qui vous permettra, n'est-ce pas, simplement de vous connecter et nous pourrons en direct avoir ce temps de méditation de la parole qui va simplement inspirer notre orientation et direction dans la prière et les déclarations prophétiques que nous aurons la responsabilité de faire. Qu'il me soit permis de rappeler ici ce texte biblique que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 4 à 9. La Bible déclare, mais vous frères, il s'agit donc de chaque enfant de Dieu que nous sommes, chaque fils et fils du royaume de Dieu. Et ce texte nous est adressé. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il nous soit permis de vous rappeler ce merveilleux texte d'1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 4 à 9. Ça va être des temps d'intensité dans la prière. Ce mois de décembre, comme je l'ai tantôt déjà dit, est la période propice. C'est le mois qui correspond donc à celui du Kislev dans le calendrier hébraïque et c'est exactement dans ce même mois de décembre et particulièrement à partir de la date du 10 décembre que la fête de la Hanouka, n'est-ce pas, se célèbre. Cette fête de la Hanouka qui fait référence à la fidélité de Dieu, à la provision surnaturelle qui émane de lui, au renouvellement de toutes choses, à notre victoire dans les combats de cette vie. Nous avons donc encore une fois, permettez-moi de vous le dire, 7 jours pour nous mettre sur notre rampe de lancement et atteindre les lieux élevés de la sphère où Dieu règne et où sa volonté est respectée, accomplie en notre propre faveur. Donc je vous invite véritablement à être des nôtres dans ces temps d'intensification de la prière afin que vous et moi nous puissions entrer dans la nouvelle année 2021, même si nous savons que étant parvenus à nous mettre sur notre rampe de lancement, cela va nous propulser au-delà des années 2025. Écoutez, je vous aime, je prie pour vous, je vous attends fermement à ces moments extraordinaires de jeûne et de prière où vous aurez la responsabilité le matin très tôt. On vous donnera le programme de vous réveiller alors qu'il fasse encore noir entre 4 et 5 heures du matin pour prier en famille pendant au moins une heure, prendre la Sainte Cène en famille. Ensuite, dans la journée, au-delà de vos activités, nous ne vous demandons pas d'arrêter vos activités, vous allez travailler, mais restez en connexion avec la pensée de Dieu et les vérités fondamentales qui vous seront partagées. Et ensuite, à partir de 20h30 à 22h30, suivez ce programme et peut-être prendre une soupe ou boire, n'est-ce pas, du jus de fruits, des légumes pour couper votre jeûne et ensuite pendant 7 jours, continuez ce programme avec nous. Écoutez, je vous aime, je sais que Dieu est fidèle et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Que Dieu vous bénisse, merci. Je voudrais vous dire un bon shalom à tous. Heureux d'avoir été avec vous déjà pendant 4 jours. Nous avons prié, nous avons reçu des directions prophétiques, nous sommes en train d'aller vers la fin et nous nous réjouissons que en ce jour vendredi, nous puissions continuer dans la direction, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous a donnée. Il s'agit d'être métamorphosé. Je vous ai déjà dit et je le redis à dessein, vous savez que la pédagogie, n'est-ce pas, c'est de répéter les choses. La répétition est pédagogique. Vous savez, il est question d'être sur notre rame de lancement. Et pour être sur notre lame de lancement, notre rampe de lancement, nous avons besoin d'être préparés. Et c'est la raison pour laquelle nous recevons des pensées qui nous permettent d'entrer dans la prière. La chose la plus importante, ce n'est pas tant parler. Je ne suis pas là pour satisfaire votre curiosité. Nous sommes là pour vous communiquer les pensées du ciel, les pensées du Seigneur. Il dit la révélation de sa parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Et vous savez, on est renouvelé par la connaissance. Et lorsqu'on est renouvelé par la connaissance, à partir de ce moment, nous sommes capables d'être équipés, yes, et de relever les défis, amen, de notre temps. Je voudrais introduire ces moments
en rappelant à chacun d'entre vous que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Il y a de nouvelles onctions qui sont libérées. Je le ressens dans mon esprit. Baba. Je le ressens même dans ces lieux. Baba. Nous ne sommes pas nombreux. Nous avons quelques chantres, nous avons quelques musiciens et puis ceux qui assurent la sécurité. Vous vous imaginez, mais je sens la présence de Dieu alors que nous vous parlons de la part de Dieu. Je vous dis encore une fois, la Bible est formelle. Les hommes, n'est-ce pas? Les hommes seront des signes. C'est les hommes qui seront des signes. Les onctions que Dieu libère, les mystères que Dieu relâche. Vous savez, Dieu relâche des choses dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Je vous le redis encore à dessein, les temps ne vont pas changer. Si vous en êtes encore à croire au retour d'un ordre ancien, vous êtes dans l'erreur et vous risquerez de vous perdre. Paul dit que les temps seront difficiles. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jésus lui-même dans Matthieu 24, colonne vertébrale de toute prophétie, a attesté que c'est le commencement des douleurs. Mais il nous a dit que ce n'était pas encore la fin, mais c'était le commencement des douleurs. Nous savons que le diable ne peut pas agir sur cette terre dans toute sa monstruosité. Si l'Église est encore là, le temps où Dieu est avec nous sur la terre, nous allons changer nos nations, nous allons transformer nos nations. Pour cela, j'avais déjà dit, et cela est revenu dans mon esprit, que si nous voulons transformer les nations, l'Église doit changer. L'Église doit changer. L'Église doit changer. Nous devons accepter de changer. Et si nous changeons dans la manière d'entrevoir ce que Dieu est en train de faire, alors nous rentrons dans les choses que Dieu a pour nous pour ce temps. Oui, les temps seront difficiles, mais permettez-moi de vous dire, mais les enfants de Dieu, les fils et les filles du royaume de Dieu, seront des identités remarquables. Nous serons des identités remarquables parce que dans l'angoisse, nous aurons du pain. Dans le trouble ou dans la détresse, nous aurons de l'eau. Nous aurons la paix et nous allons réussir. Alléluia. Même dans un monde chaotique, Baba. Parce qu'il est écrit que vous et moi, nous devons briller comme des flambeaux dans le monde. Il nous demande de briller dans un monde pervers et corrompu. Je vous ai parlé du monde. Il y a le monde cosmos, c'est les choses de ce monde, c'est les systèmes de ce monde, c'est Babylone, dont le diable lui-même est le prince de ce monde. C'est le cosmos, mais Dieu, il est pour la multitude, pléthos, il est pour la multitude, c'est pour la multitude que Jésus est envoyé. Et l'Église a un rôle, et toi tu as un rôle, moi j'ai un rôle, nous avons un rôle, nous devons être des identités remarquables. L'heure vient où 10 personnes courront après un enfant de Dieu pour lui demander qu'est-ce que tu as. Et tu seras capable de lui dire que tu as Jésus. L'heure vient où le pan de vos robes, de vos pantalons seront touchés parce que les gens voudront la bénédiction. Alors il a dit, c'est des hommes qui serviront de signe. Puisque je sais dans mon esprit que c'est une promesse divine. Introduisons cette soirée de vendredi par ce merveilleux cantique. Chantez-le, dansez, réjouissez-vous dans le Seigneur. Sur ce cantique, n'est-ce pas? Les promesses de Dieu. Alléluia. 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 Disons-le ensemble les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. Jésus. Qu'il a puissamment tissé avec ceux qui lui appartiennent. Dansez, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est le temps de le glorifier. Ceux qui connaissent Dieu sont remplis d'une ferme assurance. Si dans la maison vous avez des mouchoirs, vous avez quelque chose, célébrez-le. Alléluia. Glorifions le Seigneur pour ces temps. Baba. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. Il a puissamment tissé avec ceux qui lui appartiennent. Oui, il a l'alliance avec ceux qui lui appartiennent. Ceux qui connaissent Dieu sont. Je vous demande de vous réjouir. Réjouissez-vous pour ces temps que Dieu a pour nous. Et qu'importe le temps, sache-le, oui, cette parole est la sienne. Sa parole est la sienne, peu importe le temps. Chante, Dieu a élevé sa parole. Baba, il a élevé sa parole. Au-dessus de son ensemble. Dieu a élevé sa parole. Au-dessus de son nom, chante. Dieu a élevé sa parole. Au-dessus de son nom, chante. Dieu a élevé sa parole. Au-dessus de son nom.
nom. Glorifiez-le, 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 glorifiez-le. Les promesses de Dieu, yeah. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. Il a puissamment tissé avec ceux qui lui appartiennent. Il a tissé cette alliance avec ceux qui lui appartiennent. Ceux qui connaissent Dieu sont remplis d'une ferme assurance. Ceux qui connaissent Dieu sont remplis d'une ferme assurance. Et qu'importe le temps, sache-le, oui, cette parole est la sienne. Peu importe le temps, cette parole est la sienne. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. Qu'il a puissamment tissé avec ceux qui lui appartiennent. Il a savamment lié cela avec ceux qui lui appartiennent. Ceux qui connaissent Dieu sont remplis d'une ferme assurance. Ceux qui connaissent Dieu sont remplis d'une ferme assurance. Hey. Et qu'importe le temps, sache-le, oui, cette parole est la sienne. Cette parole est la sienne, peu importe le temps. Chante. Hey. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Chante. Hey. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Chante, chante-le. Dieu a élevé sa parole au-dessus regarde de son nom. Regarde ton voisin à la maison et dis chante, Dieu a élevé. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Chante. Hey. Au-dessus de son nom. Au-dessus de son nom. Au-dessus de son nom. Au-dessus. Au-dessus de son nom. Alléluia. Alléluia. Une dernière fois, je veux vous entendre. Une dernière fois, s'il vous plaît. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. S'il vous plaît, je vais vous voir danser. Qu'il a puissamment tissé avec ceux qui lui appartiennent. Seigneur, moi je te crois. Ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent Dieu sont remplis d'une ferme assurance. Seigneur, je suis rempli d'une ferme assurance. Et qu'importe le temps, sache-le, oui, cette parole est la sienne. Hey! Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont intimement liées à l'alliance. Qu'il a puissamment tissé. Qu'il a puissamment tissé avec ceux qui lui appartiennent. Ceux qui connaissent Dieu. Ceux qui connaissent Dieu sont remplis d'une ferme assurance. Et qu'importe le temps. Et qu'importe le temps, sache-le, oui, cette parole est la sienne. Oh, chante. Chante-le. Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Chante. Sa parole au-dessus de son nom. Chante. Au-dessus de son nom, chante. Alléluia. Dieu a élevé sa parole. Au-dessus de son nom. Au-dessus. Au-dessus de son nom. Alléluia. Alléluia. Au-dessus de son nom. Son nom. On va dire acclamons-le. 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 Célébrons-le. 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 Sautons de joie. Sautons de joie. Sautons de joie. Sautons de joie.
joie, sautons de joie, sautons de joie, sautons de joie, dansons pour lui, 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 le Dieu de jour, le Dieu de vie, Dieu du Gabon, 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 Dieu de béton, 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 au-dessus de ton nom. Son nom, alléluia, au-dessus de son nom, yes. Au-dessus. Jamais de défaite, Jésus est mon capitaine, jamais de défaite, jamais de défaite. Amen, amen, amen. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Tu nous aimes, tu as étendu ta main sur chacun d'entre nous. Nous savons qu'en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous voulons nous recommander simplement à ta grâce et à ta protection. Seigneur, c'est vers toi que nous regardons. Nous nous attendons à toi. Seigneur, encore maintenant, nous nous attendons à toi. Seigneur, nous voulons qu'une grâce, Seigneur, particulière, nous soit accordé. Alors que nous abordons, Seigneur, ce jour, ce cinquième jour sur les sept jours, nous te demandons, Seigneur, de faire quelque chose. Nous te demandons de te révéler à nous. Seigneur, ne nous cache rien afin que nous ne soyons plus jamais les mêmes. Reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière en ton nom, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais avancer avec vous. Nous sommes toujours dans la métamorphose. Je vous ai dit qu'en ce qui concerne, n'est-ce pas, chacun d'entre nous, les hommes, pendant que les chants peuvent s'asseoir, serviront de signe. Ce que Dieu est en train de relâcher, c'est des onctions qui vont opérer dans un monde en difficulté, dans un monde en trouble. Le monde va connaître le trouble. Jésus a appelé cela le commencement des douleurs. Le monde, n'est-ce pas, le système de ce monde a choisi, on va dire, de violer les principes de Dieu. Dieu est le créateur de l'univers. C'est lui qui est le créateur de toutes choses. Et le diable qui fait toujours une œuvre qui le trompe a inspiré des systèmes de ce monde à offenser Dieu, à violer les principes bibliques, à violer, vous voyez, les lois à l'échelle des nations qui sont iniques, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Non, vous ne devez pas étonner. Une des choses que le Seigneur Jésus dit, il dit « ne soyez pas troublés ». Et le terme même qui est utilisé dans Matthieu 24, « gardez-vous d'être troublés ». Car il faut que ces choses arrivent. Donc nous n'avons pas le droit d'être troublés. Pourquoi être troublés? Puisqu'il nous a déjà dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Ces choses vont arriver, mais puisqu'il nous demande de garder, de nous garder d'être troublés, c'est qu'il sait d'avance que si nous marchons selon ses lois, si nous marchons dans ses voies, si nous observons ses ordres, ça veut tout simplement dire que ces choses